Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bonjour. Bon, j'arrête mes bêtises. Alors on commence ce baby challenge avec un crac-crac des familles. Alors, on avait dit au précédent épisode, pas non jamais coucher avec un ex. Mais bon, son baby challenge c'est un peu particulier, j'ai envie de te dire, parce que bon, elle va en rencontrer des hommes, puisque je rappelle pour le 100 baby challenge, c'est être enceinte une seule fois par père. Donc, elle a le droit bien sûr de recoucher, mais pas d'avoir. Donc là, j'ai juste mis crac-crac, pas avec bébé bien sûr, puisqu'elle n'a pas le droit de retomber enceinte avec le même père. Oui, c'est un peu particulier. Alors là, on est samedi, c'est le week-end pour les enfants. Va manger, fais-toi plaisir. Moi, je crois qu'on a déjà fait les devoirs. Ah non, sauf lui, il a pas fait le travail supplémentaire. Lui d'abord, pipi room. Ouais, voilà, va au pipi room. Puis ensuite, tu vas aller prendre des restes. Et ce qu'on va faire, c'est ici, on va ouvrir et ça, on va le jeter nous-mêmes. Voilà, c'est parfait. Quant à la maman, on va la laisser dormir un petit peu. D'ailleurs, j'ai pas fait attention, on n'a pas eu de droit d'auteur. Bah, on avait, à l'épisode précédent, envoyé une de nos compositions. Je m'inquiète pour nos revenus. Là, on va éteindre parce qu'on va douiller au niveau de la facture d'électricité. On va voir les notifications. Donc, non, morceau, voilà, on a déposé le morceau. On a autorisé Matin Sims à diffuser un de ses morceaux. Les droits d'auteur vont bientôt pleuvoir. Alors, pleuvoir, c'est un bien grand mot pour le moment. Ça me rassure un peu. Parce qu'en général, si c'est le mot pleuvoir, c'est que. Il va y en avoir des sous, hein, mais je préfère ne pas trop m'avancer là-dessus. Écoutez, la maman, elle a bien dormi. On va la réveiller. Elle aussi. Elle va aller au pipi room. Elle va prendre des restes. Et puis, en attendant, ça sert à rien de se dépêcher sur les compositions. Si, de toute manière, on peut en déposer seulement une toutes les semaines. Donc, tous les 7 jours. Regardez, je ne peux pas. On lui a déposé un morceau de piano récemment et doit attendre une semaine. Alors, une semaine, je trouve ça énorme. Hein, parce que une semaine dans les Sims, mine de rien, certes, les jours, ça passe vite. Mais. Quand même. Donc on va l'envoyer après manger. Non, tu ne vas pas jouer. Tu vas d'abord manger et ensuite tu vas aller creuser. Voilà. Planning d'aujourd'hui. Gagner de l'argent. Améliorer les conditions de vie. Afin de pouvoir commencer à agrandir la maison. Et enfin pouvoir retomber enceinte. Parce que le but quand même c'est d'aller assez vite au niveau des grossesses. Pour, je dis pas enchaîner. Mais c'est un peu ça quand même. Hein, enchaîner parce que. Certes, on n'a pas de temps pour finir le challenge, mais je vous l'avais déjà dit. Il faut quand même essayer de faire ça le plus rapidement possible. Plus vite on réussit, mieux on a réussi le challenge, quoi. Plus de temps on met, forcément, ça veut dire que moins on réussit le challenge. Bon, on le réussit quand même, hein. On le réussit au bout d'un moment, c'est sûr, mais... Moi, je suis dans le challenge, donc j'aimerais bien améliorer tout ça rapidement pour retomber enceinte rapidement puisqu'en plus les enfants je pense lundi pourront devenir adolescents et c'est un âge qui est plutôt sympathique puisque même s'ils vont encore à l'école tout ça ils pourront aider maman pour la prochaine grossesse donc ce serait pas mal que avant que les enfants deviennent adultes puisque je rappelle les adolescents peuvent grandir d'après ce que j'ai juste à côté en plus j'ai les règles du challenge juste à côté pour parce que c'est assez franchement les règles ils sont comme ça jusqu'à par terre on a plein des règles dans ce challenge c'est terrible mais rappelez-moi à chaque fois si je me douille quelque part dites-le moi oui 15 fais attention parce que normalement tu dois pas faire ci tu dois pas faire ça c'est écrit dans le challenge
Alors les adolescents peuvent également grandir à l'âge adulte dès qu'ils ont un A à l'école. Et du coup le A, si on fait les projets scolaires, ça va assez rapidement. Du coup je pense pas que je vais les dépêcher à devenir adultes, parce que de toute manière, hein, le temps qu'elles fassent assez d'enfants pour être 8 à la maison, faut quand même y aller, surtout au début. Après ça sera un peu plus, voilà, on sera plus ça sera plus à la chaîne. Alors où est-ce que tu es? Non, ah c'est le vampire. Et d'où il sort la journée lui? J'ai envie que ce soit le prochain père, le vampire. Mais j'ai peur des contraintes d'avoir un enfant vampire. De toute façon, on peut le faire grandir à l'âge adulte, les vampires, non? Oui, je pense. Alors ici, il y a pas mal de petits... Voilà, il y a tout qui est revenu, tous les cailloux sont là. Alors, on va bien creuser, on va bien chercher partout. Et puis, je pense après, on pourra améliorer la maison. J'attends de voir aussi les revenus de la composition. Alors je vous saoule avec ça, hein, mais clairement je suis très 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 curieuse de savoir à combien peut s'élever le montant de notre composition. Alors là on va faire reproduire. Alors attends. 25. Oh. Parce que je sais qu'il y a moyen de trouver des grenouilles à 130 ou même 160 simflouz, il me semble. Plus la grenouille la plus chère que j'ai trouvée était à 160 simflouz. C'est vrai que je me renseigne, ça se fait, il y a des grenouilles qu'on ne peut pas trouver dans les petits nids à grenouilles, je sais pas trop comment appeler ça. Des... quoi, ça s'appelle comment? Je sais pas, il n'y a pas le nom du truc, mais que peut-être en reproduisant deux grenouilles, on peut tomber sur une grenouille qu'on ne trouve pas justement là-dedans et qui vaut cher, je sais pas. Faudrait que je me renseigne un petit peu. Ça peut être... Désolé si je renifle un peu, je suis tombée malade, hein, comme déjà dans l'autre épisode, et j'en suis navrée. Alors attendez, parce que là il y a aussi pas mal de choses. Alors ici on va creuser. Ah, Coco, on peut envoyer les enfants pêcher, hein. Ouais mais non, pour le peu de temps qu'ils vont continuer à rester. C'est vrai que des fois tomber par exemple sur une graine de vache là, ça vaut 1000 simflouz je crois, ou en tout cas pas loin. Du coup c'est quand même une sacrée somme d'argent pour la pêche. Mais bon, faut tomber dessus. Faut quand même tomber dessus. Mais bon, qu'est-ce que de toute façon vous voulez que les enfants fassent de plus? Ils peuvent pas faire grand chose de plus. Donc tant qu'à faire qu'ils soient utiles et voilà quoi. Alors toi tu pues la chaussette. Tu vas aller prendre une douche et puis tu vas aller pêcher. Donc on envoyait un pêcher ici. Et quant à toi, bah toi t'es bien. Est-ce qu'il y a un autre endroit de pêche? Ouais, parce que je sais pas. Est-ce qu'on a pas un plus près? Genre de ce côté là il y a rien. Il n'y a rien. Hein. Non, donc les deux coins de pêche sont ici. On va l'envoyer là. On va voir lequel endroit est le mieux. Et c'est parti. Et quant à toi, eh ben écoute, on va la surveiller. Elle trouve des pièces d'amélioration. D'accord. Roche calcaire. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Hein. Franchement, les fruits, hein, je me fais pas chier pour le peu que ça rapporte. Ah, attendez, j'ai oublié. Mais ici, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de choses à ramasser. Ah là là, cette exploitation, cette mère exploite vraiment ses enfants jusqu'au bout, quoi. appelez les services sociaux, c'est pas possible. Faites quelque chose. Allez, on va aller... Ah, les droits... Pff, oh, les rapports d'auteur, c'est pas ouf. 142 simflouz. Bon, c'est vrai que un rapport plus 2 plus 3, c'est-à-dire pour plusieurs... Bon, après, c'est vrai que voilà, c'était pour un morceau péchu, hein. Mais c'est vrai que plusieurs, on va dire une dizaine de compositions, ça fait 1000 simflouz par jour. Là, ça commence à être intéressant. Vous voyez, par exemple, pour les livres de Wendy, elle gagne, je crois, entre 2000 et 3000 simflouz par jour. C'est énorme. Mais elle a pu faire plusieurs livres en une journée, mettre plusieurs livres en même temps... vendre entre guillemets à des éditeurs plusieurs livres dans la même journée, alors que là c'est vrai que franchement auteur ça c'est quand même mieux que les compositions. Après peut-être les compositions sur la durée ça sera peut-être plus intéressant, je sais pas, ou peut-être que ouais, c'est vrai que sa première composition était peut-être pas ouf, mais bon quand même. On va lui demander de rentrer, puis aller assez loin de la maison, prendre une douche et attendez, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire faire? Pour gagner encore de l'argent. Donc déjà, on va éteindre ça. Ils le laissent toujours allumé, ils éteignent jamais la radio. Hein. Ils sont pas économes. Hein. C'est quoi ça? Attendez, j'essaie de jeter le verre, mais j'y arrive pas.
Ah, 5 simplouzes. C'est limite, les enfants vont rapporter plus d'argent que la mère, quoi. Je peux pas bouger le verre, c'est chelou. Et je peux intégrer. Bon, on lui demandera de nettoyer, du coup, si j'arrive pas à le mettre dans la poubelle, on n'économisera pas 30 simplouzes, mais bon. Après la douche, donc tout pour l'instant, on va s'intéresser à savoir qu'est-ce qu'elle nous a récupéré par là. Mystérieuse capsule temporelle, donc il y en a quand même combien? 4, 5 même plus, non 4. 280 simplouzes pour ça. Allez. 25. Je me demande si c'est pas mieux de... Vous voyez ça, et je crois qu'on peut... Voilà, placer dans le monde, machin. Envoyer un bijounier et faire... un bijounier. Un bijounier. Enfin, je vais acheter une bague chez un bijounier. appeler le conseil géologie à propos de l'échantillon. Vous voyez, au conseil de géologie, je sais pas, ça rapporte de l'argent, ça. Je crois que j'avais essayé avec Lara Croft, mais... On extrait tous les fossiles. Alors, voilà, on va vendre aussi les grenouilles. Est-ce qu'on peut les refaire reproduire là? Oui. Oh, les pauvres, quoi. Elle travaille à la chaîne, elle aussi. Hein. Elle exploite tout le monde, les grenouilles, ses enfants. Ouh. Sanité simplouze. 15. Alors là, nous avons 50 simplouze. 10 simplouze, c'est pas ouf. Combien? 85. 70. Pour le peu que ça vaut les pièces, je vais peut-être les garder finalement, parce que ça pourrait être utile ensuite quand elle a le temps de améliorer la situation de vie. Je sais pas si ça se dit, la situation de vie. La vie de la situation. Bref, j'arrête mes bêtises. On a quand même 6000 simples. Je pense qu'on va commencer à agrandir cette maison. Alors je sais pas, j'ai envie de repartir sur une base. Genre tout raser et tout recommencer. Mais le problème c'est que si je fais ça, le souci c'est que les meubles vont perdre leur valeur. Enfin ils ont perdu leur valeur et du coup je vais perdre plus d'argent qu'autre chose. Mais en fait c'est surtout pour les fondations. J'ai regardé les objets mais... Parce qu'en fait j'aimerais bien un peu tout refaire dedans. Et c'est... voilà. Mais bon c'est vrai que j'aime beaucoup cette maison. Ah! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que j'aimerais bien faire genre une chambre d'enfants adolescents, genre mettre une chambre pour les enfants et les adolescents. Et faire une sorte de petite garderie pour tout ce qui est bébé et bambin. Alors est-ce que c'est bien de mettre les bébés et les bambins ensemble? Je pense pas, parce que les bébés vont réveiller les bambins s'ils pleurent dans la même chambre. Mais genre faire une sorte de petite garderie dans le sens où mettre tous les bambins dans une pièce avec tout ce qu'il faut pour leur survie entre guillemets. Ah là là. Ah là là. Je me laisse quelques minutes pour réfléchir. Ouais, je sais, je suis dans un dilemme de malade alors qu'en fait c'est un dilemme de rien du tout quoi. Bon, qu'est-ce que tu as à faire, toi? T'as fini? Alors attendez, on va s'amuser peut-être à faire, c'est envoyer un SMS de bonheur, ce genre de petites choses. Alors attends, lui il a David, parce que c'est peut-être le futur père. On va envoyer un SMS. Bon, pour l'instant, ta fille elle est occupée à pêcher. Ah, est-ce qu'il est triste? Non, il est confiant. Ensuite, regarder la télévision communautaire. Alors attends, pourquoi elle a pas envoyé un SMS de bonheur? À lui, elle peut, mais pas à David. Vous voyez, regardez. Bon, peut-être qu'ils sont pas assez amis pour qu'elle lui envoie un SMS de bonheur. Regardez la chaîne communautaire, normalement, c'est là-dedans. Voilà, télévision communautaire. Désolée, ta fille est occupée, je te le rappelle. Faire du bénévolat en famille, pas le time. Franchement, c'est une magnifique journée, sortons pour en profiter. Non, c'est bon, ça ira. Et ensuite, commencer une nouvelle carrière, non. Attends, ça on garde parce que... j'espère que c'est pas s'extasier sur des nouvelles sonates. Acheter un instrument. Ah! Acheter un instrument. Non, 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 je peux pas dépenser. En plus, on a un violon juste ici. On n'a pas d'ordinateur. Ça craint. Raconter une histoire incroyable. Bah attends, c'est peut-être le temps de rencontrer un nouvel homme. De commencer, entre guillemets, à courtoiser. Courtoisiser. On va courtoisiser Jules. Bonjour Jules, présentation amicale.
En plus, il est pas mal, Jules. Jules est pas mal. Allez, va vite lui parler. Je viens d'attraper ce 6 jouets qui parle corne. What? Ok, pourquoi pas. Alors, raconte-lui une histoire incroyable, s'il te plaît. Raconte-lui. Voilà, super. Trouver un nouveau métal. Vous pouvez trouver des métaux en sélectionnant creuser sur des rochers spéciaux. Ok. On va peut-être le garder, mais là on vient de faire tout le tour, donc il n'y en aura pas. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Ça c'est encore la même chose. On n'a toujours pas d'ordinateur, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Tester des techniques de drague devant le miroir. Faire du bénévolat en famille. Bon, on l'a rencontré, maintenant c'est pas mal, on l'a dans notre répertoire. Tester ces techniques de drague, ok, vas-y, on va tester. Ok, super. Mais c'est pas mal, hein. Ça j'avais fait dans le Super Brover Challenge. Les enfants qui font de la pêche pour gagner un max d'argent. C'est bon? Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant? Proposer un plan fou à quelqu'un. Ah, à qui veut faire un plan fou avec moi? Alors, de préférence un homme, hein, puisque on prépare l'avenir de ce challenge en commençant à... Mais il n'y a que des femmes! Où sont les hommes? Les brochettes et les carottes. Je vais me faire ce que c'est ridicule. Ah, ta-ta-ta. Allez, bonjour monsieur. C'est Angel, ta voisine. Alors, on devait faire quoi? Proposer un plan fou. Voilà, propose-lui un plan fou, il va kiffer. On va se marier à Las Vegas. Non, désolé, on peut pas se marier dans ce challenge. Ce sera pas possible, Angel. Tu ne peux pas sortir ton piano de chez toi, ça te complimé. J'ai dû complimenter quelqu'un, ça, je veux dire compliqué, je dis complimé. Alors, c'était... Ah non? D'où? Où est-ce qu'il va? Ah, il m'a saoulé, bon tant pis pour ça. S'entraîner à parler devant le miroir, ça c'est mieux. Je dois vraiment y aller, ah, plus, ça... non ça va pas l'air très sympa en fait. C'est ça, s'entraîner à faire un discours, s'entraîner à parler, ouais c'est ça. Non. Bon. Ok. Faut savoir ce que tu veux discuter avec quelqu'un. Stop. Non, non. Bon, il est peut-être un petit peu vieux, hein, ce monsieur. Hein. Bon, j'ai envie de te le dire, hein. Préjugé sur l'âge, hein. On va lui parler, hein. En plus, je crois que les peuvent encore tomber enceinte avec des vieux, non? Les personnes âgées, pardon. Le respect, Kenzel, le respect. Oh, bonjour, c'est Jules? Non, c'est pas Jules. Bah, attends. Bonjour, où est-ce que vous allez, monsieur le blond? Il dirait PewDiePie, lol. Lalalal. On va le renommer en PewDiePie. Bon. Elle a faim. Par contre, les enfants, ils vont décéder aussi à force de pêcher. Alors, prendre des restes, il y a de quoi. Et ici, on va lui demander ensuite de continuer à faire son morceau. Attends, non, on va abandonner la composition parce que je veux pas faire un morceau péchu, mais un grand classique ou un air fantasy star. Je sais pas lequel rapporte le plus parce que les deux sont arrivés en même temps que le niveau 9 dans cette compétence. Du coup, un grand classique, un air fantaisiste. Bon classique, hein. Allez, soyons fous, un air fantaisiste. Mais non, d'abord fini de manger. D'abord fini de manger. Et ensuite, compose un morceau d'air fantaisiste. Voilà. Oh, ils ont extrêmement faim. On va leur demander d'aller manger. Mais non. Ah, elle m'énerve. Elle m'énerve. Fini de manger, s'il te plaît. Et toi aussi, tu peux venir manger.
Il en reste combien? Il en reste 5. Bon, ça va, ça va. Alors, on va même voir combien les enfants nous ont apporté l'argent aujourd'hui. Alors, une perche, oui, tout à fait. Ouh, 60 simflouz, quand même, c'est pas mal. 15 simflouz, c'est mieux que rien. Des petites fleurs, bon, écoute, pourquoi pas. Est-ce que... Ouh, voilà, paix de plantes vaches. Alors, il faut la mettre, voilà. Et après, il faut la revendre après l'avoir plantée. Ça rapporte masse d'argent. Et c'est pas de la triche. Et 246. Alors, elle, on va l'envoyer plus souvent pêcher, je crois. Elle nous rapporte quand même pas mal d'argent. Ah, et en parlant d'argent aussi, une petite reproduction des familles entre les grenouilles. Et c'est super. Elle a commencé deux trucs. Attends, on a abandonné un. On va en garder qu'un seul. Comme ça, après, on fera un grand classique pour changer. Et bah, du coup, toi, tu vas... ah bah oui, je reste là-dedans. Reprendre un air fantaisiste. C'est parfait. Mais il est où le fiston? Elle rentre à la maison? Est-ce qu'il rentre à la maison? Oui, c'est bon, il rentre. Je trouve qu'il était bloqué dans le décor peut-être, mais non, ça va, il rentre bien à la maison. Elle est partie faire une sieste. Voilà, voilà. Ensuite, une fois que vous avez fini, les enfants. Toi, il faut que tu fasses tes devoirs, je m'en rappelle. Bon, on va laisser faire son petit morceau. Je voulais faire un truc, mais je sais plus c'était quoi. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, il y avait le lama là aussi. 80. 5 simflouz. Joué, parce que non. Chef fait par des enfants. Nous avons réalisé un sondage auprès de 500 enfants pour trouver le nom idéal pour un jouet en forme de licorne. Au moins 75% d'entre eux ont suggéré un mot associé à un dessert. La prochaine fois, nous effectuerons ce sondage après leur goûter. En attendant, découvrir la lama corne cornée de glace. C'est sympa, le jeu de mots est pas mal. Le jeu de mots est super sympa. Eh bien, écoutez... sur cette famille fatiguée, sur ces enfants fatigués et exploités par leur mère, nous allons nous arrêter là. On va leur souhaiter une bonne chance, accompagnée de leur mère Angel, dans cette famille. Surtout avec la suite qui va arriver. Surtout, regardez, cet enfant pleure. Cet enfant est triste, cet enfant pleure. D'ailleurs, pourquoi elle pleure? Seule. Elle n'a plus de vie sociale. À cause de sa mère, bien sûr, qui l'exploite. Je suis désolée pour toi, Angela. Bon courage, bonne chance. Et moi, je vous laisse. À bientôt.